Ça y est, j'ai le titre de la vidéo. 24 heures de surprise avec Madame Pas Possible. On est à 5 minutes ? Ouais, je crois. 5 minutes ? Ah ouais, donc là, on y est, quoi. Non. Oh, j'ai pas vu. Alors ça, ça c'est dans la boîte. Ouais. Ça, quel plaisir, j'ai envie de te lire. Vachement facile hein, de l'ouvrir de ce mais côté-là. Je te fais un cadeau, tu râles encore ? T'es oui, sérieux ? Oui. Et salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, vidéo, je ne sais même pas comment va s'appeler la vidéo. Je ne sais même pas quel est le but et ni quel est l'intérêt de cette vidéo, mais ça fait plaisir. Oui les gars, là, tout simplement, je pars en escapade avec Madame Pas Possible. Je pensais pas dire ça un jour, cette phrase un jour, mais ça fait plaisir. Ouais, Madame Pas Possible m'a réservé une surprise, m'a dit que ça valait le coup de filmer ces 24 heures, de filmer cet événement, parce que, bon voilà, on le dit vite fait en soum soum. En fait, ça fait ouais, un an qu'on est ensemble, tout ça. Bon, je vais pas te mentir, moi j'avais oublié la date, parce que tu vois, nous les gars, on n'est pas trop date. Mais ça fait, il faut pas lui dire aussi. Donc du coup, là, je vais la retrouver, elle vient me chercher. Apparemment, je dois même pas regarder dans quelle direction on va en voiture et tout. D'ailleurs, c'est elle qui conduit, donc ça se trouve, ça sera ma dernière vidéo de toute ma vie, mais ça fait plaisir. Donc là, elle arrive dans quelques instants. Là, la transition, ça va être qu'on va arriver dans sa voiture et je vais être en mode les yeux cachés, tout ça, tu connais. Allez, let's go! Woo! Voilà la transition incroyable. Moi, j'ai pas des bandeaux, en fait, j'ai une écharpe. Je sais même pas si je cadre bien. J'avais rien d'autre. Et voilà, je te cadre bien. Oh là là, oh là là, oh! Coucou! Oh. Ah, j'ai pas tu vu ta tête, pas, mais là. Ça. Oui, bah, je sais pas, je vois rien. Ah, bah, voilà. Est-ce que je cadre bien là? Je bah cadre là, bien. C'est sur moi, donc ouais. Ça va. Ah, mais après, on s'en fout de toi, ah, moi, bah, on veut moi là. Bah, ok, voilà. Donc, du coup, là, on part direction vers l'inconnu, comme je vous ai dit précédemment. Et est-ce qu'on peut au moins avoir un indice avant d'arriver sur les lieux, Madame Pas Possible? Non. Nique ta mère! Et donc, du coup, il y a même pas un indice là. Là, non, non, quelques... non. On est à une heure de route. Ah ouais, non. C'est juste oui, ça l'indice. Ouais, et ouais, je non. Respire même pas, frère. Non, mais j'ai peur que ça. Enfin, que tu vois à travers, genre. Mais je vois rien, frère! En fait, tu connais pas du tout. On en a parlé une seule fois. Tu okay. Ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas la route, mais je me suis entraînée. Donc, c'est un truc qu'on a loué là, enfin que t'as loué pour une nuit. Ah ouais, c'est vraiment une surprise de ouf. Ok, d'accord. Plus, ouais, ça me fait peur ça. Plus des cadeaux que j'ai emmenés. T'as ramené des cadeaux? Oui. J'aime pas ça. Ah non, je tiens à préciser quand même, il m'a fait livrer des fleurs ce matin. Oh, est-ce qu'on peut avoir une image maintenant des fleurs? Voilà, avec un petit mot trop mignon et tout, ouais, franchement. Ouais. J'ai flouté le mot non, non. Trop mignon. Non, je suis pudique, j'ai flouté. Non, non, tu non, as mais si, c'est, bah, si, je l'ai flouté. Bon, allez, on y va? Ok. Allez, let's go! Je sais pas si je filme bien. Je filme mal. Je sais pas. Putain, mais c'est une catastrophe. Je sais même pas si je filme bien, ça je joue là. Je tellement à fond. Là, bouge plus. Là, je ne bouge plus. Ouais. Un okay. Peu plus haut, un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Regarde la route, toi. Moi, personnellement, je me suis endormi. Je sais même pas si je cadre bien, mais c'est pas grave, c'est la vie. Je suis dans les vapes. Les seuls indices que j'ai, c'est que moi, personnellement, je pense qu'on part dans direction 95, Val d'Oise, tu connais les bails. Je ne sais pas où. Ou tu sais, dans en région parisienne, mais dans des bleds, quoi. Tu vois. Vraiment en région parisienne où c'est mi-urbain, mi-amoureux et dans le pré, tu vois. Donc voilà. Là, je suis toujours dans l'attente. Nous sommes à combien de temps? 5 minutes. Je crois. On est à 5 minutes? Ouais, je crois. 5 minutes. Ah ouais, donc là, on y est, quoi. On y arrive, ok. Quasiment. En tout ouais. Cas, moi, je me suis bien reposé. J'étais KO de ouf. Là, je suis. Chaud! Je cadre toujours bien? Je sais pas, je vois pas. Ok, alors. D'accord, oui, tu regardes la route, c'était un test. Bien vu! Attends. Ah oui, oui, je filmais dehors. Ok, autant pour moi. Peut-être que je filmais dehors, je ne sais pas. Les gens, ils vont en avoir marre. Ah bon? Bah, je pense. Hein. Qui vont en avoir marre? Eh bah, la population. La populace qui nous regarde? Oui, voilà. Ouais, bon, elle a pas beaucoup, ça va. Bah, 45 000. Eh, j'ai vu 45,5. Ouais, c'est bloqué depuis 3 mois là-dessus. Ah ouais? Ouais. Ah, bah, faut augmenter. Allez, les gens! Ouais bah abonnez-vous, partagez, voilà, hein, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de la cloche. La cloche, voilà, activez la cloche. Voilà. Je sais même pas si je filme bien depuis tout à l'heure. Là ça va. Ça va là? Enfin, oui, ouais, ça non, va. Ok, ouais. Merci. Même c'est à cause de ta connerie d'écharpe là. Non mais je vous tenais vraiment à faire la surprise. J'ai envie ouais. De faire pipi là. Ok, merci pour ce détail. Oh
Oh, il y a une église. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, mais je connais les villes où il y a des églises. Ah, c'est un bled. On est dans un bled. Mais n'importe quoi. On est dans un petit bled. Mais non. On est dans un bled, mais je te dis. N'importe quoi. Oh, je connais. Insupportable. Par contre, lui faites jamais de surprise, hein. Jamais, hein. Mais on m'a jamais fait de surprise. Je n'aime pas les surprises. Et ben franchement, à la base. Je comprends. Je n'aime pas les surprises. Ben c'est de la merde. Je comprends. En plus, t'as même pas d'indice. C'est de la merde. Ah, y a trop de pavés là. J'ai pas d'indice. Attends, y a trop de pavés. Y a trop de pavés. Hein. Ah, mais on n'est pas aux Champs-Élysées quand même. Ah, bah non, y a pas de clocher aux Champs-Élysées. Bon. On est à combien de temps? Chérie. On arrive. Non, attends, tu mens. On est arrivé là? Chérie, alors attends. Bah attends, tire la caméra au pire. Vas-y, tire la caméra et fais tout ce que tu veux. Attends, le truc c'est que j'aimerais juste. Non, là j'aime pas là. Je filme juste ta tête. Je veux que tu retires ton écharpe et que tu regardes en face. C'est en face? Non, tu mens. Non, vas-y. Je peux te tuer ou pas? Vas-y. Non, mais non, putain. Alors, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Mais il faudra leur expliquer. Mais, j'ai eu bon que c'était un bled. J'ai eu bon. Alors, les gens ne vont pas comprendre, j'en en fait. Ferai, pourquoi hein. Parce qu'en fait, c'est le lieu où on s'est rencontrés. Et c'est... Voilà. En fait, on va dormir au lieu où on s'est rencontrés. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, voilà, ce domaine s'appelle le Bois de Rosoy, donc domaine forestier. Et il loue des... Bah, de toute façon, on montrera. J'ai envie de chialer. Mais... T'as envie de chialer? Bah, je croyais que t'allais dire, je croyais que t'avais dit, t'as envie de chier. Ouais, voilà. Tu sois là, peut-être, non? Je sais pas, tu connais pas ton taf? Ton ex taf? Non, tu te rappelles du code? Bah, alors là, pas du tout. Bon, ok. Mais en fait, sonne en fait, hein, là, hein. T'as une sonnette, hein. C'est bon, allez, c'est réglé, merci. Je suis ému là. Ouais. Ça fait plaisir. Oh, les voitures! Ah oui, et petite anecdote en fait, c'est que moi j'y ai bossé en tant que. Parce qu'en fait, il y a un type de. Enfin, une espèce d'escape game en fait. Et il y a un type d'escape game en pleine nature, donc franchement, je vous le conseille. En même temps, on fait un placement de produit de ouf là. Et au passage, est-ce que tu peux te garer là où je me garais tout le temps moi? Je peux que tu te garais moi. Là à droite. Là? Ouais, à côté là. J'ai pas envie. Ok, mais... okay bah te garde. C'est un truc de ouf, on peut rien demander à ces mais gens-là. Et du coup, madame travaillait sur ce qui était l'équipe ménage. Voilà. Donc en fait, vous nettoyez tout ce qui était les cocooning, les tout ça, et les cabanes là où les gens faisaient les escape games en nature. Donc de toute façon, on va mettre le site dans la description. Incroyable surprise. Et pourtant, je suis vraiment un teubé. J'aurais dû y penser en fait quand il y avait la direction. C'est pour ça en fait que tu t'es énervé. Parce que tu t'es dit, il va se deviner. Bah, oui. Parce qu'en. En fait, même avec l'écharpe, je connaissais à peu près la route, le début de la route, mais je me suis endormi. Ouais, j'ai compté, t'as fait 3 ronds-points. Il m'énerve, franchement, c'est insupportable avec lui. Vraiment, vraiment. Ça fait plaisir. Ah non, vraiment, vous faites jamais de surprise. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai envie de chialer. Tu te rends compte? Moi aussi. Non, mais j'ai envie de chier d'abord, moi. Bon, bah du coup, voilà, arrivé à Beauport. Oui, ce que vous voyez derrière, c'est bien là où nous allons coucher ce soir, là où nous allons dormir. Et ça fait plaisir. Donc voilà, quand tout à l'heure je parlais des cocooning et tout aussi qui étaient à leur disposition dans ce fameux bois de Rosoy, et bah voilà, vous avez un bel exemple ici. Vous pouvez voir Madame Pas Possible en train de marcher, en train de se balader et ça fait plaisir. Donc du coup on va faire une visite guidée. Je pars en Stéphane Plaza, ça fait plaisir. Du coup, voilà, bon, là c'est, franchement c'est super impressionnant. Super bon délire, on est parti, on part au niveau des escaliers. Alors il y a exactement 42 escaliers, alors pourquoi 42? Non, je rigole, c'est pas vrai. Du coup voilà, évidemment, l'un des atouts hein, d'ici, c'est le fameux jacuzzi en plus en plein air. Bon, il fait quoi? Il fait un petit 12-13 degrés. Bon. Je pense que d'ici une petite heure, il va faire 5 degrés, mais ça, c'est un autre délire. Ensuite, voilà, nous avons ce petit pont. Voilà, très sympa. Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est incroyable. Ici, nous avons, du coup, bon, je leur ai demandé de mettre ma chaîne YouTube, ils n'ont pas pu, mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Du coup, là, nous avons la douche. Une douche qui ressemble bah, tout simplement à une douche. N'est-ce pas? Oh, le miroir, il est trop chelou celui-là! Mais faut le tourner. Hé! Hey, attends! Mais! C'est beau. On est moche. Ok. Ici, nous avons des toilettes bah, qui sont tout simplement des. Le fameux test. Est-ce qu'il y a un poil? Oh là là! Ah oui, non, il faut regarder. Ça, c'est le fameux test. Partout où on va.
Verdict. Un poil. Il n'y a pas de poil. Ah. Incroyable. Vous n'avez pas échoué à votre mission. Donc là, une sorte de petite mini, j'ai envie de dire, cuisine. Évidemment, avec le fameux micro-ondes, cafetière, tout ça, etc. Et le bonbon sur le gâteau. Est-ce que tu peux aller m'ouvrir la porte du coup? Parce qu'avec la caméra, ça va être je un peu... Je peux filmer, moi, si tu veux. Ah. Connasse. Hyper dur à ouvrir. Voilà. Et il faut pas mesurer 3 m 10, hein, je vous le dis. Incroyable. Eh, t'es coupé du monde, hein. Alors, on voit la caméra, ma poule. Regardez. Comment t'es je filme. T'es pas assis sur un truc, là. Hein? T'es pas assis sur un truc. Ah, si. C'est il, quoi? Il est vraiment cool. C'est pour moi, ça? Bah oui. Non, mais là, on est à Noël, là. C'est-à-dire que là, il y a des trucs qui arrivent comme ça. Je suis pas au courant. Je peux l'ouvrir quand? Ok, donc c'est... On est sur... Ça y est, j'ai le titre de la vidéo. 24 heures de surprise avec Madame Pas Possible. Pas mal, hein? Pas mal. Il y en a une autre. Quoi? Il y a encore une autre surprise? Ouais. Mais moi, du coup, je t'ai pas fait de surprise. C'est pas grave. Tant que je suis avec toi, c'est ma surprise. Tu sais que ça, je vais utiliser cette douille-là pour Noël et pour tous les autres trucs. Hein. Et en plus, on est vraiment coupé du bruit et tout ça. C'est incroyable. Incroyable. Bah écoutez... Quelle est la suite du programme? Parce que moi je vous suis, Madame Pas Possible. Hein. C'est vos 24 heures. Hein. Tu verras. Mais il n'y a pas de tu verras. Là, on fait quoi là maintenant? J'ai envie de faire un truc, on fait quoi? Alors, soit tu ouvres ton cadeau, soit bah, après je t'ai concocté un petit apéro. Ah ouais? Putain, jusqu'à la bouffe, la meuf. Ah mais, oui, après t'as une autre surprise et puis voilà quoi. C'est quoi ça? Déjà, franchement, comme ça, je peux prendre le ticket? On partirait plus sur un cadre, un truc comme ça, tu vois. Allez. Ok, ça veut dire que j'ai eu bon. Non, mais cherchez pas, je viens d'avoir bon. Je viens de niquer son cadeau, c'est un cadre, un truc. Bah, un cadre, c'est hyper fragile. Ouais, mais... Tu serais allongé dessus, tu l'aurais cassé. Attends, pourquoi c'est comme ça? Attends, il y a un truc chelou. Oh là là, c'est trop étrange. Bon, vas-y, ouvre-le, là, ça me stresse. Ah, donc je l'ouvre maintenant? Faut savoir, madame. Oui, mais avec eux? Je l'ouvre où, là-bas? Oui. Dans la lumière? Ok, on y va. Non, là, ça fait cocooning. Bah alors tout à l'heure, on le garde pour tout à l'heure, on passe à l'apéro. Okay, allez, vas-y. Ah, c'est bon, l'autre, fais gaffe, tu. L'autre, elle va se taper le crâne là. Quand je faisais le ménage, je me cognais tout le temps la tête. Ah ouais, ouais? Ah bah je comprends mieux maintenant. Du coup, on part sur l'apéro, donc qu'est-ce que j'ouvre? Non, tu touches à rien. Mais déjà, crie pas. La meuf ne sait pas filmer, c'est incroyable. Après, elle me dit, pourquoi tu me demandes pas à moi pour faire tes micro-trottoirs que j'aille filmer? Je sais qu'elle va pas savoir filmer, si, c'est ça le problème. Filmé, non, là, non, tu ne sais pas. C'est quoi, c'est l'émotion? Oui, moi ça me fait quelque chose de revenir là alors qu'on était même pas ensemble, on se parlait vrai. Même on pas. On se calculait pas, mais c'est oui. Ça qui est dingue. Oui, mais c'est quoi? On va raconter durant ce vlog toute l'histoire. Parce qu'il y en a qui vont nous saouler. Ah ouais, vous l'êtes rencontré là, ouais, c'est chaud. Calme-toi, frère. On fait l'apéro là ou... Où tu veux, c'est toi qui décides, meuf. Arrête, là, c'est ton moment, gênée, c'est ton moment. Mais c'est notre. Oui, mais je veux dire, c'est ton organisation, c'est ta surprise. Moi, quand j'organise une surprise, je sais ce que je vais faire. Bah, donc oui, à toi de jouer. Moi, je suis belle. J'attends. Tourne-toi, parce qu'il y a d'autres surprises. Ok, je vois rien. Vas-y quoi? Je vois rien, vas-y. Il se fout de ma gueule? Oui, un peu. Déjà. Ok, des triangles, ça c'est la base. Ça c'est la base. Vous savez mais que ça c'est la base de ouf. Quelque chose en plus. Quelque chose parce en plus. Parce que regarde. Ah, non. C'est après. Non, non. Elle a ramené le shampoing, putain. Eh, shampoing, ça me rappelle un souvenir, extrait. Parce que. Tac. Mais non. J'ai ramené le shampoing. À vous, tu t'y attendais pas. Là, je t'ai ramené, tu vois, guacamole, salsa dip et crème poivron rouge. Est-ce que tu connais? Est-ce que t'es consciente que ces trois sauces-là vont être jetées parce qu'on va jamais les bouffer? T'es sérieux? On dirait un hammam un peu quand même le truc, hein. C'est ça qui me tue. Vas-y, bah, pisse! Alors, du coup, t'es parti sur du shampoing. Bah ouais. Shampoing, donc du coup, bien sûr, la référence à Lille, évidemment. Ça fait plaisir. Les triangles, c'est une référence dans le sens où on fait que de bouffer ça. Enfin, c'est plus toi. C'est plus en moi, vrai. J'ai kiffé. Mais tu m'as fait découvrir ça, je connaissais oui, pas ça. Oui, au Chili. C'est... Si vous connaissez pas, voilà. C'est hyper bon. Attends, je vais montrer. Il y a le passo. Voilà, ça fait plaisir. C'est hyper bon. Franchement, ouais. Moi j'aime bien. J'aime bien. Après, il y en a en rond aussi. Les ronds, c'est au barbecue. Oh. Parce que la dernière fois, je me rappelle, à Amiens, t'avais dit « Oh, j'ai pas vu !» Alors ça, c'est dans la boîte. J'ai. Par contre, t'es vraiment... Mais arrête, stop le truc! Stop quoi? Tu veux que je fasse quoi? Bah mets-le dans ta ça bouche. Bon bah du coup, il faut essuyer là, maintenant. Tu sais ce que j'ai oublié? Des serviettes.
Aussi. On mange à l'intérieur du coup? C'est vrai? Bah je peux pas m'asseoir déjà. Ah bah vas-y, bon bah c'est parti, demain. Cool hein. Ah là là, bon. Du coup, on trinque à quoi? On trinque à quoi? Ah. On trinque à nos un an. Ah non. On trinque à cette fameuse rencontre ici. Ouais. Même si on ne s'est jamais calculé, même si l'une des seules phrases et l'une de mes premières phrases adressées à cette personne que vous voyez a été pose ça là. Parce qu'un jour, elle devait me ramener, je sais plus, des affaires en fait, ou je sais plus quoi, enfin un truc par rapport au taf. Et je lui dis, ouais, pose ça là. Et après, en fait. T'avais dit quoi? T'avais dit un truc, ouais, t'as vu, je suis forte, hein, je sais pas quoi. Non, en fait, à la base, vu qu'il ne calculait pas du tout, ouais. Le prétexte, c'était... Mais non! J'ai pas bu, hein. Non, j'ai pas bu! Il a tout gâché. En tout cas, juste comme ça donne pas envie. Non, mais sans, au pire. Ah. Ah. Il y a un délire. 1, 2, 3... Il y a un délire, pas mal. Donc là, ça veut dire, attends, là, il y a l'apéro et après, il y a un plat, il y a un truc. Non, mais ça, parce que du coup, t'as calculé comme quoi il y avait une mission. À vous de jouer dans les commentaires. Quelle est votre série du moment? Qu'est-ce que vous regardez comme série Netflix? Parce que là, on est en rodage, on sait pas trop quoi regarder. On veut se lancer dans The Crown, le truc là, avec la reine d'Angleterre. Vu qu'elle est... Bah, du coup, ils vont faire une saison où elle meurt, quoi. Parce qu'en fait, c'est une série... qui parle de la reine d'Angleterre, mais avec les vraies histoires et tout. Bon, un peu romancé, certes, mais ça peut être bon délire. Le jury de Nouvelle École saison 2, pour ou contre, ils sont partis sur la même que la saison 1. SCH, Shai et du coup Niska. Pour, contre, à vous de jouer. Donc c'est le repas, on est d'accord? Ok, donc là on part sur le repas. Le repas. Okay. Il faut savoir que j'ai tout préparé. Est-ce qu'il y a une anecdote sur ce repas? Oui. Tiens, un truc, ok. Ne regarde pas! Là, ça y est, t'as posé? Non! Je me fais engueuler, je me fais. Hey, on me parle mal dans cette vidéo. Je peux m'entendre? Oh putain, la meuf, mais c'est une tarée! L'autre, on va. Attends, tu vas me dire que là, on va taper une raclette ici. Mais c'est une tarée, cette meuf! Mais là, t'es consciente que là, je vais prendre 5 kilos là, d'un coup. T'es content? Mais bien sûr, mais la raclette, qui n'est pas heureux? De bouffer raclette dans les commentaires avant. Attention. Oh, regarde le bruit. Oh, le petit bruit là. Oh là là le. Ah oui, attends, j'ai une surprise encore. Quoi? Mais attends, mais ça s'arrête quand les surprises, frère? Bah ferme tes yeux. Oui. Putain, t'aurais pas pu choisir un autre moment là? Pourquoi? Mais j'ai envie de bouffer moi. Mais c'est pas vrai, le gars, je lui fais une surprise. Le seul truc qu'il pense, c'est sa patate. Franchement, t'as pas honte? Non, t'as pas honte. Bon, tu déballes ou tu déballes? Bah attends, c'est bon. Et je me fais agresser dans cette vidéo. Oh, mais il est impatient. En fait, ce mec, tu peux pas lui faire de surprise sans qu'il râle. Ferme tes yeux. Mais parce que je leur montre. Je sais pas si ils vont voir. Mais j'en suis sûr qu'ils n'ont rien vu. Joyeux anniversaire. Donc là, t'es en train de niquer mon fromage. Mais c'est mettre pour... de la cire sur le fromage. Mais c'est pour nous. Je dois faire un vœu? Mais c'est pour nous. Ah, ok. T'es censé me dire, bah viens avec moi, on fait un vœu. Bah viens avec moi, on fait un vœu. Bah non. Est-ce que c'est de l'organisation, tu vois, genre... Non mais c'est vrai que, par contre, ça fait 2 mois que tu m'as parlé de cette date, hein. De 30. J'étais impatiente. Je suis en train de kiffer ma vie, hein. Je le dis au cas où, je suis en train de kiffer ma vie, moi. Du coup, prochain... Je crois que j'ai pris trop de viande. Non, sérieux? Bon, du coup, après ce... cette énième surprise, ce... cette raclette! Du coup, là, je pense qu'on va prendre une douche pour profiter du jacuzzi comme jamais! Ah oui, moi aussi j'ai des surprises! Quoi? Ah, parce que la meuf est en train de se démaquiller en pleine vidéo. Ça fait plaisir! Du coup, tu fermes les yeux? Ok. T'aimes pas? Je connais pas. Mais c'est des kipiks, tu me dis ouais, arrive. Non, ceux-là je connais pas.
Bah, je goûtais. Bon, bah, ça a flopé, hein. Et deuxième et dernière surprise, j'avoue, j'avais pas fait beaucoup, mais c'est pas grave. Ça, c'est bien. Bah, du coup, je peux te montrer les miens. Ça s'arrête jamais, hein, ici, ça s'arrête jamais. La meuf m'a piqué. J'ai bien aimé. J'ai vu son quai. Et là. Bah oui. Ah, je croyais que c'était les mêmes, j'ai eu peur. Mais on est sur des kiffés. Mais là, c'est plus un kiff pour toi. N'importe quoi, t'aimes bien. Non, j'aime bien, mais ça, c'est ton kiff. Mais je t'ai pris des dragées bus. Oui, mais. Bah, c'est... ça, tu vas kiffer. Ok. Quoi? Des mini cookies granola? C'est la vie, les cookies granola, c'est les meilleurs. C'est vie, là, on est d'accord que là, on va devenir gros de fou. Ok, attends, non, c'était pour savoir. C'est vraiment pour le kiff. Hein. Ah ouais, ah ouais, mais c'est stylé ça. C'est réellement 24 heures de surprise. Hein. Demain, ça va être plus demain matin. Demain matin? Oui. Il y a une autre surprise? Ouais, c'est. Donc ça veut dire que c'est en rapport. Enfin, c'est eux aussi qui amènent la surprise ou c'est. Oui. Donc tu as des complices au sein de cet établissement? Là, tu m'avais dit quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. Tu m'as dit un souvenir par rapport à ici que j'ai retenu et que j'ai tout fait pour que tu aies ce truc-là. Bon allez, on va prendre la douche. Alors, on y réfléchira dans le jacuzzi. C'est... elle est malade. Ah, on est bon, on est bon. Bah écoutez, madame, pas possible. On est parti. On est parti pour se régaler. Let's go. Bah oui. Non, conclusion. Je suis dégueulasse sans maquillage. Ouais. Alors du coup, ce jacuzzi en un mot. Bah, il est... Non, il est petit. Ouais, il y a des bruits, chelous. Trop rempli. Ouais. Et pas assez de bulles. Ouais. Et voilà quoi, mais sinon, c'est bien, là, c'est chaud. Ça va. Non, ça va. Là, on est à 36 piles maintenant. On va bientôt être à 28. Ouais. Ah, bon. Ça, quel plaisir, j'ai envie de te lire. Et ouais, du coup, la suite des festivités, je sais pas comment on dit, mais la suite des événements, du coup... Ton cadeau? Mon cadeau à déballer? Bah oui. Et y a pas d'autre cadeau, là? Non, demain matin. Ah oui, c'est demain matin. Ouais, c'est une petite surprise. Ça, quel plaisir! Du coup, on arrive enfin à ce fameux cadeau. Du coup, pas un autre indice? Bah non, tu verras par toi-même. Merci, c'est toujours sympa. Mais non, mais je peux pas t'en dire plus. Je l'ouvre de quel côté? Là, je peux l'ouvrir comme ça, c'est bon? Non, de l'autre côté. Comme ça? Non, de l'autre côté. Excusez-nous pour ce dérangement occasionné. Ceci n'est pas du tout un placement de produit. Et ceci est surtout une boîte de préservatifs. Voilà, non mais il faut être honnête. Il faut être honnête avec les gens, madame, pas possible. Oui, oui, non, mais voilà. faut pas faire les choquer, c'était pas voulu. Voilà, ça faisait pas partie du décor. En bah, fait. C'est surtout. Non, ça a été retrouvé sur place. Hein, c'était... C'est oui, pas nous. C'était hein, offert nous. Par l'accueil. Voilà, la réception, hein, voilà, c'est sympa. Sympa, oui. Franchement sympa. Du coup, ils peuvent reprendre la vidéo là, mais non, c'est bon. Oui, oui. Oui, voilà. Hein, salut. Ouais, faut regarder ailleurs. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Restez couverts. Comment ça, de l'autre côté? Ah bah oui, c'est facile à ouvrir en plus comme ça. Bah oui, y a pas d'ouverture. Mais c'est le... Oh, mais c'est le devant, ça. Ah ouais, vachement facile hein, de l'ouvrir de ce mais côté-là. Je te fais un cadeau, tu râles encore? T'es oui, sérieux? Oui. De quoi? On passe de poste ça là. C'est quoi, c'est un album le truc? Mais non, arrête. Donc là, en fait, là, c'est un livre dossier sur nous deux, en fait, c'est ça le bail. Bon, allez, coupe, là, ça va faire des dossiers. Non, franchement, magnifique cadeau. Ça me met la pression pour les prochains cadeaux à faire. Même si j'en ai fait des surprises déjà. Ah j'ai oui, fait non, pas mais mal de surprises. Sûr, mais j'ai pas là, j'avoue qu'on est sur un level de ouf. Là, ce que vous entendez, ce ne sont pas des larmes qui tombent, c'est la pluie. Et ça bouge. J'ai envie de dire... tout ne pouvait pas être parfait, mais ce n'est qu'anecdotique par rapport à ce cadeau, à tous ces cadeaux, toutes ces surprises. Ou placement de produit en photo ah, box. Oui, photo box. On est ensemble. Virement. Donc voilà la photo. S'il voit bien la photo, du ouais. coup, il voit bien. Elle est incroyable. Pour moi, c'est ce que je lui ai dit du coup avant qu'elle enregistre. Là. C'est pour moi le meilleur choix de photo de couverture. Ça nous résume ah, oui, très totalement. Bien. Ça fait plaisir. Photo alors, attends. Incroyable. Attends, d'abord. Déjà, on peut voir sur la page de gauche.
Ça, c'est la page soutien. Durant ces 1 an, j'ai toujours éprouvé une grande fierté à ton égard. Ça, c'est incroyable. Ayez une personne qui vous soutient dans vos projets. Je vous dis, ça, c'est fort. Non, mais en vrai, là, je parle sérieux. C'est très, très fort. Et donc, voilà, ça m'a procuré l'émotion. Et, après, celle-là... et les photos voilà, de mariage, avec mariage d'un des frérots. Et je pense que je me suis jamais senti aussi beau à côté d'une très belle personne. Et voilà, après il y en a encore plein d'autres hein, de photos magnifiques. Ah oui, évidemment, non, juste celle-là, c'est des délires, mais sérieusement, qui fait ça, sérieux, mais qui fait ça, s'il vous plaît. Mais c'est voilà, voilà. Donc en gros, c'est. Non, vraiment, photobox, ce sont des photos qui nous rappellent pas mal de bons souvenirs, mais Photobox, ouais, ouais très bon choix. Ouais, par contre, ouais, non, franchement, c'est limite un livre, genre ouais, qui est vendu, tu sais, à la Fnac et tout. Hein. Bon, je pense que ça ferait pas beaucoup de ventes, on va pas se mentir. Merci beaucoup, Madame Pas Possible. J'ai envie de dire du coup hâte d'être à demain pour une nouvelle surprise du ça. Coup ouais. Et j'aime le bail il est ému, sais plus quoi dire je suis en fait je me sens encore dans un nuage, en plus c'est un peu le cas de le dire, là on est en hauteur, là on va dormir, on va passer une agréable nuit, franchement on va bien dormir, bien se reposer. Parce que déjà, j'en ai besoin. Peut-être que mes cernes en témoignent. Ah tu ouais, filmes vraiment mes cernes. Ouais, c'est... je travaille pour vous. J'ai des cernes pour vous, les gars. Mais voilà, donc ça fait super plaisir. Et un dernier mot, Madame Pas Possible. Moi, je dois dire un dernier mot. Bah, je te filme, du coup, pour le dernier mot. Non, ma gueule, c'est pas possible. Ok, bah, c'était Madame Pas Possible, donc on y va. Donc, du coup, ce dernier mot, Madame Pas Possible. Bisous. Tout était parfait. Pourquoi t'as tout niqué comme ça? Pardon. Alors, comment on va juger? Là, elle essaye de m'appeler. Oui. Viens me toucher ou quoi? Oui, j'arrive. Tu sais que le timing est incroyable au moment où je commence à prendre une vidéo. Est-ce que tu peux juger la nuit en un mot? Mouvementé. Du coup, après cette fameuse douche et ce fameux réveil chelou, nous passons à la toute dernière surprise. C'est bien ça, Madame Pas Possible? C'est ça. Alors du coup, Madame Pas Possible, vous récupérez le... Ah d'accord, ok. Ah ouais. Ah ouais, donc là il faut travailler les bras, madame. Ouais. Allez, on y va. Là, ça met du temps, je trouve, à arriver. Hein. Et donc là-dedans, ok. Et donc là-dedans se cache la toute dernière surprise. Ouais. Et toujours pas d'indice? Non. Merci. Si tu m'en as parlé une fois, il n'y a pas longtemps en plus. C'est un truc qui se mange apparemment. Ok. Allez. Ah, tu veux que je fasse la fin? Ça y est, tu n'y arrives plus? Bon allez, tiens, prends la caméra, ouais, on va y aller, allez, vas-y. Il est bloqué? Bah oui. Elle est bien ta surprise. Mais il est jamais content, mais pourquoi c'est bloqué? Parce que là, si je force, je pète le truc. Vas-y, au pire, redescends-le, je vais le chercher en bas. Ah mais c'est incroyable, je suis sûr en fait, en vrai, je pense que c'est jamais arrivé de leur histoire. Et ça arrivait avec nous, c'est ça qui est ouf. Alors là, il y a une image qui me flingue. C'est quand même le panier qui est en plein milieu et qui bouge plus. Qui, voilà. Hein, c'est super cool, hein. Et bois de rosoir, vous êtes au top. Hein. Du coup, après multiples péripéties, nous avons été tenus en aide. Donc, quel plaisir. Là, c'est la surprise. C'est ça. C'est la fameuse surprise. Est-ce que tu peux... Bah regarde pas, je fais comment Ah oui. Allez vas-y sors, bon, alors, et attends. Je vois la réaction. Donc ça c'est de l'eau chaude pour le thé, je sais que tu bois du thé. Ok, ouais, voilà. Ça, quel plaisir. T'es pris du jus de pomme bio. Oh, très bon délire. Et à l'époque où tu travaillais ici, apparemment t'aimais bien la viennoiserie chocolat qui te donnait envie, tout ça. Est-ce que c'est ça? Oui. Et là, voilà, j'ai pensé à toi, je l'ai pris pour toi. C'est ça, la surprise. Très bon choix. Est-ce qu'on peut raconter une autre anecdote, là, rapidement?
C'est ce qui s'est passé là il y a un instant. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est venue nous aider. Ah oui. Du coup, pour. Bah, parce que le truc s'est emmêlé, tout ça. Et comment dire? C'est que la personne, moi, on la connaissait parce qu'on a bossé avec cette personne. Et bon, Madame Pas Possible est restée au sein de la maisonnette. Moi, je suis allé voir. Il m'a pas du tout reconnu. Et ça, c'était un moment très marrant, mais très gênant en même temps, tu vois. Donc voilà, big up à Tristan. Tristan. Limite, tu vois, j'ai bugué sur le nom, je savais plus comment il s'appelait. C'est ma surprise. Je te mets toujours bien. Non, là, je suis dégueulasse. Là, je suis pas... Non. À vos commentaires, elle est dégueulasse ou pas? Non, oui. Non, là, si, je vous dites que, si vous dites oui, je vous bloque non, la vie. Mais ça, pas. Par contre, il faisait pas très froid. Par contre, moi, je trouve qu'il faisait chaud. Moi, c'est l'une de mes craintes. Que la même, je lui dis, amener la nuit, tu vois, tu es pelé. En fait, pas du tout. Et en plus, il y a un plaid chauffant. Franchement, on n'a même pas eu besoin de le mettre. Hein. C'est vrai, le plaid chauffant, on l'a même pas testé au final. Mais après, c'est à cause de la météo. Mais sinon, en plein été, mais c'est le feu. Non, mais le matin, je le vois, il te fait la gueule, il est là, mais pas se dormir. J'ai dormi, t'as dit quoi? 3 quarts d'heure, t'as dit? Ah ouais, facile, 1 heure. Ouais, 1 heure, j'ai dû dormir qu'une heure. Il a ronflé. Quel mytho. Bon, 1 heure, on peut ronfler, frère. Pour ce que c'est. Ah! Non, parce que. On y arrive, on y arrive! Je trouve que c'est un peu élevé les tarifs. Ah, mais c'est logique que ce soit élevé. Pour ce que c'est, non, vraiment pour ce que c'est. T'es en pleine nature? Oui, d'accord, je veux bien concevoir, mais. Regarde juste là, la maisonnette là, elle a été faite avec quoi? Et... Là, je peux te dire qu'à Casto, ça se coûte cher, hein! Les pains comme ça. J'aime bien les pains blancs. Ah! Nouveau débat! Pain pas cuit ou pain bien cuit? Moi je suis team pain bien cuit. Toi t'es pas cuit. C'est pas bon pas cuit. Non. Tu sais que c'est pas bon pour l'organisme. Pas cuit, genre. Mais t'as dit le pain blanc. Bah c'est pain blanc pour moi ça. Ouais, il est mi-cuit quoi. Il est mi-cuit, mi-raisin. Non. Du coup, fin de ces 24 heures surprise, on va dire. Tu t'es tapé une sieste, c'est... les gars. Ouais, là, en fait, je viens de taper une sieste dans la voiture. Oui, oui, on dit tout. Ok, ça fait plaisir, bah, ça fait plaisir. Du coup, on fait un bilan de tout ce qui s'est passé. Bah, moi, je voudrais une note quand même de cette surprise. Une parce note que, ouais. Une note sur combien? Il faudrait une note sur combien, mais du coup, en général ou par étape par, Non, bah, en général, t'es contente de ma surprise tout ça, oui, mais... bien sûr, évidemment. Okay. Donc, moi, ma note... finale pour cette surprise, pour ces ensembles de surprises, voilà, ce pêle-mêle de surprises qui m'a fait plaisir, je mettrai la note de 9,75. Parce que la note de 10 sur 10 n'existe pas. Même la si, perfection n'existe pas. Même si la pluie et tout. Oui, non mais ça c'est anecdotique et du coup, voilà, ça comble le charme et je pense que ça nous représente bien. C'est parce vrai. Que rien ne peut être parfait. Nous, en fait, à chaque fois qu'on veut faire un truc, il y a un truc qui ne va pas. Et bah, on mettra dans la description quand même le site internet du Bois de Rosoy, ça fait plaisir. Même si je pense qu'on ne les a pas mis énormément en valeur, mais si vous avez envie de vivre une nuit aussi exceptionnelle que nous, non, on a vécu. Vraiment, en tout cas, essayez de choisir quand la météo est bonne. Mais après, le problème, c'est que tu es obligé de faire des réservations de 2-3 mois à l'avance parce qu'en fait, plus. C'est tout le temps blindé. Et j'ai parlé du fameux aussi escape game. Oui. Un escape game en pleine nature. Plus de 12 heures d'escape game. Donc franchement, voilà... par rapport aux escape games aussi classiques, vous pouvez aussi réserver ça. Donc c'est pas mal et vous dormez à la belle étoile, pareil dans des tentes et tout. Donc franchement c'est pas mal. En plus il y a une belle histoire autour de cet escape game. Donc voilà, je vous le conseille également. Un petit dernier mot pour conclure. Est-ce que il y aurait pas une morale à travers tout ça, une morale à travers cette vidéo? T'en as une? C'est-à-dire que j'en ai une. Oui et non. Je dirais que il ne faut jamais refuser l'amour, surtout quand l'amour tape à votre porte. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe vos antécédents, acceptez quand l'amour tape à votre porte. C'est beau ce que je viens de dire. J'ai été je crois que c'est la première fois de ma vie sur ma chaîne YouTube que je suis très sérieux. Bon, elle va chialer et je vais pas lui demander un dernier mot parce qu'elle va faire bisous. Donc c'est nul. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude si ça vous a plu. Et ouais, si les vlogs avec Madame Pas Possible vous font kiffer, tout ça. Je pense que le prochain vlog. Il faut qu'on en parle là d'ailleurs. Et du coup, un dernier mot, Madame Pas Possible. Bisous. J'en peux plus. Je vous fais la bise. Point faible, point faible, point faible.